Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un cours d'initiation à l'Ashtanga. Alors l'Ashtanga, c'est une série de yoga extrêmement codifiée. On fait toujours les mêmes positions, toujours les mêmes postures, dans le même ordre, au même rythme. Il y a une série, il y a plusieurs séries, 1, 2, 3. On va travailler sur la série 1. Comme c'est un cours de yoga qui est un petit peu spécifique, avec des postures parfois un peu complexes, où il est nécessaire d'avoir un très bon prof et de très bons ajustements. J'ai décidé d'alléger la série, d'enlever les postures un petit peu compliquées pour éviter les blessures, que ce soit facilement praticable de chez vous. Je ne suis pas prof d'Ashtanga, je suis prof de Yoga Vinyasa, mais j'ai été formée à l'Ashtanga, donc je pourrais vous faire la série sans problème. Mais je vous invite à faire un cours d'Ashtanga avec un prof d'Ashtanga dans un studio yoga. Ce sera beaucoup mieux qu'en vidéo. Donc ici, on va vraiment découvrir l'Ashtanga. J'ai supprimé 16 postures, donc c'est une série beaucoup plus allégée que vous allez pouvoir pratiquer de chez vous. Je vous invite à vous installer sur votre tapis. Vous pouvez prendre une ceinture et éventuellement un gros dictionnaire qui peut faire office de bloc pour pouvoir travailler sur des postures et aller un petit peu plus loin si vous n'y arrivez pas. On va commencer debout sur votre tapis avec des salutations au soleil. On va faire 5 fois la salutation au soleil A et 3 fois la salutation au soleil B. Donc à l'avant de votre tapis, les gros orteils se touchent, on écarte légèrement les talons pour avoir les tranches externes des pieds parallèles. On regarde loin devant, on roule les épaules en arrière. Prenez une grande inspiration, levez les bras vers le ciel. Ici, regardez vos pouces. Expirez, plongez en avant. Uttanasana, tête à genoux. Inspire, dos droit, peut-être les mains sur les genoux. Expire, relâchez bien les dans une planche, les épaules au-dessus des poignets. On garde les coudes près du corps, un dos bien droit. On descend château en garde, coude à 90 degrés. Inspirez, chien tête en haut, décollez les genoux. Expirez, retournez les orteils. Chien tête en bas pour 5 respirations. Repoussez le tapis à l'avant, relâchez bien la nuque. Regarde vers le nombril. 3. Gardez la bouche fermée, respiration ujjayi si vous connaissez. 2. 1. Regardez à l'avant, un saut, un grand pas. Inspire, dos droit. Expire, tête à genoux. Inspirez, grandissez-vous les bras vers le ciel, paume des mains se touche. Expirez les mains sur le cœur. Et une autre. Inspire. Expire, je plonge. Inspire, dos droit. Expire, vous pouvez venir en château tanga directement en sautant en arrière. Sinon, un grand pas en arrière. Inspire, chien tête en bas. Expire, chien tête en bas. 5. 4. 3. Pressez les talons en arrière. Pliez les genoux si ce n'est pas possible. 2. 1, je regarde loin devant, je marche, je saute. Inspire, allongez le dos. Expire, tétez les genoux. Inspire, grandissez-vous, les paumes des mains se touchent. Expire, main sur le cœur. Troisième, inspire. Expire. Inspirez, dos droit. Expire, grand pas en arrière, en saut, je descends, genoux, poitrine, collez les coudes près du corps. Inspire, j'ouvre dans le cœur, soulevez les genoux. Expirez, chien tête en bas. 4, 3, 2, 1. Regarde en avant, marchez, sautez. Inspire, dos droit. Expirez, Uttanasana. Inspirez, grandissez-vous, levez les bras vers le ciel. Expire, main sur le cœur. À nouveau, l'inspire. Expirez. Inspire, dos droit. Expire, venez dans votre planche, chaturanga tout de suite. Inspirez, chien tête en bas. Expirez, chien tête en bas. Et on compte encore pour 5, 4, 3, 2, pliez les genoux, regardez en avant, marchez, sautez. Inspire, dos droit. Expire, je relâche. Inspirez, levez les bras vers le ciel.
Expire, main sur le cœur, la dernière. Inspire. Expirez. Inspire, allonge le dos. Expirez, grand en arrière, chaturanga. Inspire, chien tête en haut, Uddha Mukha. Expirez, Adho Mukha. Les talons en arrière, repoussez le tapis en avant. Les index parallèles sur les tranches de votre tapis. Les hanches vers le ciel, encore trois. Pensez à respirer profondément, regardez la bouche fermée. Deux. Un, revenez à l'avant de votre tapis. Inspire, dos droit. Expire, tête vers les genoux. Inspire, les bras au ciel. Expire, main sur le cœur. Salutations au soleil B, Surya Namaskara B. On va venir s'asseoir dans une chaise ici. Vous pouvez toucher les paumes des mains. À l'expire, on plonge en avant, tendez les jambes, tête vers les genoux. Inspire, dos droit. Expire, comme tout à l'heure, planche tout de suite, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et tout de suite, pied droit entre les deux mains, pied arrière à 45 degrés, on vient dans un guerrier. Paume des mains se touche, twistez les hanches vers l'avant. Expire tout de suite les mains avant du tapis, pied droit en arrière, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas et tout de suite pied gauche entre les deux mains. Comme tout à l'heure, je viens dans un guerrier. Paume des mains se touche, regardez vers vos pouces. Expirez les mains à l'avant du tapis. Chaturanga. Inspirez, chien tête en bas. Expire, chien tête en bas. On reste 5 respirations. Salutations, on se met laisser un petit peu plus dynamique. On vient réchauffer le corps avant de commencer la première série. Encore 3. 2. 1. Sautez, marchez, revenez à l'avant de votre tapis. Inspire, dos droit. Expire, tête vers les genoux. Et pliez les genoux, revenez dans votre chaise, Utkatasana. Et relâchez les bras le long du corps. Encore une fois, inspire. Expire, étendez les jambes. Les mains à l'avant de votre tapis, tête vers les genoux. Inspire, dos droit. Expirez, planche, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et je ramène un pied droit entre les deux mains. Twistez le pied arrière 45 degrés. Les paumes des mains se touchent. Expirez, les mains à l'avant du tapis, pied droit en arrière. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les deux mains. Revenez dans votre guerrier, twistez la hanche droite en avant. Regardez vos pouces ici. Et relâchez les mains devant du tapis. Chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. 5 respirations. 5. 4. 3. 2. 1, marchez, sautez, revenez à l'avant de votre tapis. Inspire, dos droit. Expire, tête vers les genoux. Pliez les genoux, revenez dans votre chaise haute, Utkatasana. Inspirez les bras le long du corps. Et la dernière, inspirez. Expire, je plonge. Inspire, dos droit. Venez dans votre planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, pied droit entre les deux mains, guerrier. Et relâche, expire, et tout de suite, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, pied gauche entre les deux mains, j'ouvre le pied droit à 45 degrés, twistez la hanche droite en avant. Guerrier, expirez les deux mains en avant. Et je redescends, chaturanga. Chien tête en haut, Uddha Mukha. Chien tête en bas, Adho Mukha. 5. 4. 3. 2. 1. Regardez entre vos deux mains. Marchez, sautez. Inspire, dos droit. Expire, tête vers les genoux. Pliez les genoux, venez dans votre chaise. Utkatasana. Et relâchez, inspirez les bras le long du corps.
On vient de faire les deux salutations au soleil dans l'ordre classique avec le bon compte de la série d'Ashtanga Normal. On va continuer avec la prochaine posture. Les mains à la tête est en petit saut. Écartez légèrement les pieds, largeur des hanches. À l'inspire, on va descendre tout doucement ici et venir crocheter ses gros orteils avec l'index et le majeur. Inspire ici, allonge le dos. Allez, expire. Venez relâcher tête vers les genoux. Pour 5. À l'inspire, j'allonge. À l'expire, je rapproche un peu plus mon front des genoux. 2. 1. Et relâchez ici. Prenez les paumes des mains. Venez glisser paumes des mains sous vos pieds. Inspire, j'allonge. Expire, à nouveau, tête vers les genoux. N'hésitez pas à plier un petit peu les genoux si vous n'y arrivez pas. On peut toujours adapter. 3. Et on pense toujours à la respiration. Inspire, j'allonge, expire, tête vers les genoux. 2. 1. Et je relâche, mettez les mains à la tête. Inspire, j'allonge, je reviens à l'avant du tapis. Ici, en bas de votre pied droit, un grand pas à l'arrière de votre tapis. Le pied droit pointe vers l'arrière de votre tapis. Le pied gauche à 90 degrés. Deux talons sur une même ligne. Bras parallèles. Vous allez basculer les hanches vers la gauche légèrement ici. Venir pencher vers la droite comme pour toucher un mur devant vous. Et venir dans un triangle. Ici, on peut attraper la cheville, le tibia, votre dictionnaire près de votre pied si c'est possible. Ou peut-être crocheter votre gros orteil. Le bras gauche au-dessus du bras droit, l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. On est dans un triangle. À l'inspire, on allonge un peu plus. À l'expire, l'épaule gauche en arrière. Encore 2. 1. Relâchez, regard vers le gros orteil. Inspire, je me redresse, je pivote. Le pied droit face à vous. Le pied gauche à l'avant de votre tapis, les hanches vers la droite, et je plonge en avant ici. Attrapez votre gros orteil. Et cette fois-ci, épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Inspire, j'allonge. Expire, l'épaule droite en arrière. Regardez votre pouce droit ici. 3. 2. 1. Expire, je regarde mon gros orteil. Et puis tout doucement, je me redresse. À nouveau, je repivote à l'arrière. Le pied droit à l'avant du tapis, à l'arrière. Le pied, le talon gauche sur la même ligne que le talon droit. On va cette fois-ci avancer un petit peu le pied gauche à 45 degrés. Vous pouvez un petit peu ouvrir le pied droit sur le côté de votre tapis. Et je vais twister à l'arrière, les mains à la taille. On va ouvrir les bras ici, poser la main gauche à l'extérieur cette fois de votre pied droit. Si ce n'est pas possible, toujours sur le dictionnaire ou sur votre tibia. Je lève la main droite vers le ciel. On essaie de mettre l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. On vient dans une torsion. Le regard vers le pouce droit cette fois. Et je relâche le regard vers mon gros orteil. Baissez les mains à l'avant de votre tapis. On va faire ça de l'autre côté. Pivotez le pied gauche à l'avant de votre tapis. Le pied droit à 45 degrés. Et cette fois-ci, je passe ma main droite à l'extérieur de mon pied gauche. L'épaule gauche au-dessus de mon épaule droite. Paveta Uttita Trikonasana. Donc, c'est une torsion de triangle ici. Le regard sur votre pouce gauche pour 3. 2. 1. Expire, je regarde mon gros orteil. Et puis, je me redresse ici. Bras parallèles. On va retourner à l'arrière du tapis. Pointez le pied droit à l'arrière et on va ici plier le genou droit, le genou au-dessus de la cheville droite. On peut écarter un petit peu plus les pieds et vous allez poser votre bras droit sur votre cuisse droite. Ouvrez le bras gauche, le regard dans l'aisselle gauche. Pour les plus avancés ici, vous pouvez poser votre main droite à l'extérieur de votre pied droit ou sur votre dictionnaire toujours. Si ce n'est pas possible, on garde le coude droit sur la cuisse droite et je viens ouvrir l'épaule gauche en arrière. Le regard dans mon aisselle gauche ici. Et on tient pour 5. 4. 3.
2, 1, inspire, je me redresse en twist de l'autre côté. Pointez le pied gauche à l'avant, venez-vous asseoir, cuisse gauche parallèle au sol. Cette fois-ci, coude gauche sur la cuisse gauche et je veux bien ouvrir le bras droit, regardant l'aisselle droite. Tout pareil, je veux poser ma main gauche à l'extérieur de mon pied gauche. Je le fais de l'autre côté ici. Donc cette fois-ci, on a le regard dans son aisselle droite. 3, 2, 1. Et je regarde vers le sol. Je ramène la main à l'avant de mon tapis. Pied gauche en arrière, chatouille. Inspirez, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grand pas à l'avant, marchez, sautez. Inspire, dos droit. Expire, tête et genoux. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, les mains sur le cœur. Pour ceux qui sont habitués de la première série, vous voyez, il y a des petits changements. Comme j'ai enlevé des postures, je rajoute aussi des salutations au soleil. Ici, on va faire un grand pas du pied droit à l'arrière. Vous vous retrouvez à l'arrière de votre tapis. Je vous mets face à vous pour Prasarita Padottanasana. Ici, les mains à la taille. Inspire, ici on va ouvrir dans le cœur. Allez, expire, plongez en avant. Posez les deux mains un petit peu à l'avant de votre tapis. Inspire, j'allonge le dos. Allez, expire, je relâche. On peut garder les mains ici si c'est possible. Sinon, marchez avec vos mains, vous mettez vos mains sur la ligne de vos talons. Et peut-être essayez de poser votre tête sur votre tapis. Gardez bien les coudes à 90 degrés ici. Et on reste ici pour 5. Sinon, on garde le dos droit. Droit. 4. 3. 2. 1. Mettez les mains à la taille. Inspire. On se redresse. Version B ici. Gardez les mains à la taille. Inspire. J'ouvre dans le cœur. Expire. Je ramène les coudes en arrière. Et je descends. Je descends. Peut-être que le sommet de la tête va toucher le tapis ici. Allez, là où vous pouvez. Aucun problème. Et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire tout doucement, je déroule. Deuxième version ici, on laisse vos mains à l'arrière du dos. Inspire, étendez les bras. Allez, expire, plongez en avant. Et pareil ici, je rapproche les mains à l'arrière de notre tête. Peut-être le sommet du crâne sur le tapis. On reste pour 4, 3, 2, 1. Inspirez, redressez-vous tout doucement ici. Les mains à la taille. Dernière version Prasarita Padottanasana. Inspire, ouvrez dans le cœur. Expirez, plongez. Et ici, venez crocheter vos gros orteils. À l'inspire, j'allonge le dos. À l'expire, cette fois-ci, je plonge en avant. Peut-être le sommet du crâne sur le tapis, toujours. Sinon, on fait en bas là où on peut, il n'y a aucun problème. On essaye d'ouvrir les coudes, peut-être à 90 degrés. Restez ici, c'est très bien. Pour 3, 2, et 1. Inspire, allongez les mains à la taille. Et revenez ici, grand pas à l'avant de votre tapis. On revient à l'avant du tapis. Ici, vous allez essayer de mettre les mains en prière à l'arrière du dos. Si ce n'est pas possible, vous pouvez attraper vos coudes. On fait ce qu'on peut ici. Donc, on est à l'avant de votre tapis. Et avec le pied droit, toujours grand pas à l'arrière de votre tapis. Les deux pieds dans la même direction. Ouvrez légèrement votre pied droit. Twistez les hanches en avant. J'ai les hanches face au mur qui est de l'autre côté de votre tapis. Inspire, ouvrez dans le cœur. Expire, je plonge en avant, la tête vers les genoux. J'essaie de twister en venant remonter, en remontant la hanche droite, en baissant la hanche gauche pour avoir les hanches parallèles. Et on tient ici 3, 2, 1. On garde les mains en prière à l'arrière du dos. Prochain inspire, on se redresse, on garde les mains en prière, on pivote à l'avant de son tapis. Inspire, j'ouvre dans le cœur. Expirez, plongez en avant. Tête vers les genoux ici.
Relâchez le regard vers le genou gauche. 3, 2, 1. Inspirez tout doucement. Redressez-vous. Ramenez le pied droit à l'avant de votre tapis. Et relâchez. On va continuer avec les prochaines postures. Ici, soulevez le genou droit. Vous pouvez rester déjà comme ça, le genou droit relevé. Sinon, crochetez votre gros orteil à la main gauche à la taille. Inspirez, tendez la jambe droite. Essayez de rapprocher votre genou droit du bout du nez en pliant un petit peu le cou. 3, 2, 1. Relâchez, ramenez un peu plus l'épaule droite en arrière. Tendez la jambe droite. Si vous ne pouvez pas garder le genou droit dans votre main droite, si c'est ok pour vous ici, pivotez la jambe droite sur le côté droit. Utthitasana, Padmasana. Et peut-être le regard vers l'épaule gauche. On essaye de tenir l'équilibre. 3, 2, 1. Ramenez le talon droit à l'avant. Enlevez votre main, votre gros orteil. On garde la jambe tendue. 4, 3, 2, 1. Voilà, je vous secoue un petit peu. Et l'autre côté. Soulevez le genou gauche, crochetez votre gros orteil, vous enlacez votre genou gauche. Si c'est ok pour vous, on tend la jambe gauche, on essaie de rapprocher le genou gauche du bout du nez pour 3, 2, 1. À nouveau, tendez la jambe gauche, vous enlacez votre genou gauche. Et si c'est ok, on twist la jambe gauche côté gauche. Ici, pour ce challenge, j'ai un peu plus le regard vers l'épaule droite, on tient 4, 3, 2. 1, ramenez la jambe gauche à l'avant. Peut-être qu'on peut encore ramener le genou gauche vers le bout du nez. Et je relâche, je tiens 5, 4, 3, 2, 1. Reposez le pied gauche, oui. C'est reparti pour une salutation au soleil. Inspirez, paume des mains se touche. Expirez, plongez en avant tes genoux. Inspire, dos droit. Expirez tout de suite, château en bas. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Marchez, sautez, vous mettez l'avant de votre tapis. Tout de suite, venez vous asseoir dans une chaise ou une katasana. Les paumes des mains se touchent, on s'assoit un peu plus. Légère rétroversion du bassin pour pas trop combrer. 3, 2, 1. Relâchez, plongez en avant. Tout de suite en arrière, on vient dans notre planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et ici, pied droit entre les deux mains, guerrier 1 tout de suite. Les paumes des mains se touchent, twistez la hanche gauche à l'avant. Regardez vos pouces, 3, 2, 1. Je garde les paumes des mains collées, je pivote. À l'arrière de mon tapis. À nouveau, cette fois-ci, twistez la hanche droite en avant. Regarde toujours vers les pouces ici. 3, 2, 1. Je vais ouvrir les bras parallèles au sol. Ouvrir le pied arrière à 90 degrés pour venir dans un guerrier 2. On a la cuisse gauche parallèle au sol. Venez vous asseoir. Gardez les épaules au-dessus du bassin. Baissez les épaules. Regarde, bout des doigts de la main gauche. 3, 2, 1, on garde les bras parallèles, on pivote juste les pieds de l'autre côté. Le pied droit en avant, le pied gauche à 90 degrés. Et venez vous asseoir dans votre guerrier. 4, 3, 2, 1, les mains à l'avant de votre tapis, pied droit en arrière, planche chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Regardez à l'avant de votre tapis et on va venir sauter pour s'asseoir sur son tapis. En Dandasana, ici allongez les jambes, les pieds flex, les mains au niveau des jambes. Peut-être que vous avez les coudes pliés, peut-être les bras tendus. Relâchez les épaules, le menton, la poitrine. Quelques instants ici. Inspirez, levez les bras, venez projeter vos gros orteils à l'avant. Si ce n'est pas possible, prenez votre ceinture peut-être ou pliez les genoux. À l'inspire, j'allonge le dos. À l'expire, je relâche la tête vers les genoux. Faites ce que vous pouvez ici, c'est que du yoga. Gardez la bouche fermée. 3. Inspire, j'allonge un peu plus.
Expirez, je rapproche mon front des genoux. 2. 1. Inspire. Dos droit. Cette fois-ci, on va venir attraper les côtés de ses pieds. Peut-être son poignet à l'arrière des pieds si c'est possible. Inspire, j'allonge. Expire, comme tout à l'heure, je relâche. Paschimottanasana version B ici. 3. 2. 1. Inspire. Allonge le dos. Et relâchez les mains en arrière. Ici, on va venir placer les mains à la place de ses coudes. Vous posez vos coudes à l'arrière. Prochain inspire. Je me redresse. Je viens claquer la plante des pieds à l'avant du tapis. Relâchez la tête en arrière si c'est possible. Si vous gardez le menton dans la poitrine. Et je soulève un peu plus les hanches ici. 3. 2. 1. Relâchez. Croisez les chevilles. Mains à l'avant de son tapis. Chaton. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Regardez à l'avant de votre tapis. Marchez, sautez si c'est possible pour vous asseoir sur votre tapis. Genoux, Sirsasana. B. Si vous venez poser la plante de votre pied en haut de votre cuisse gauche, le talon à l'intérieur. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, enlacez votre pied. Pliez le genou, prenez une sangle si ce n'est pas possible. Inspire, j'allonge le dos. Expire, tête, dernier genou. 3. 2. 1. L'inspire, j'allonge. On va croiser les chevilles en haut et repartir pour un chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Le regard à l'avant, je saute. Et on vient s'asseoir sur le tapis pour le côté gauche, talon gauche, on roule la cuisse droite. Relâchez le genou gauche au sol, tendez bien la jambe droite. Inspire, grandissez-vous, expire, plonge en avant, enlacez votre pied droit. Inspire, j'allonge, expire, tête vers les genoux. Pareil ici, pliez le genou, gardez un dos droit si ce n'est pas possible. 3, 2, 1, inspire, déroulez, croisez les chevilles, mains à l'avant de votre tapis, le nez dans une planche, coude près du corps, chaturanga. Inspire, Udra Mukha. Expirez, Adho Mukha. Regardez à l'avant de votre tapis, sautez, venez vous asseoir à nouveau. Ici, pliez le genou droit, le talon droit, à l'arrière de la cuisse droite. Vous avez un espace avec votre main entre votre talon et votre cuisse gauche. Levez le bras droit ici, plongez en avant, enlacez votre genou droit sur le devant de votre genou droit, attrapez votre main droite avec votre main gauche. Pareil, si ce n'est pas possible ici, utilisez votre ceinture. Inspire, j'allonge, expire, je relâche le front vers le genou gauche ici, Namikasana. A. 4, 3, 2, inspirez, déroulez, croisez les chevilles, les mains à l'avant, sautez en arrière, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Regardez à l'avant de votre tapis, sautez pour venir vous asseoir. Cette fois-ci, pliez le genou gauche, talon gauche à l'arrière de votre cuisse gauche. Tendez la jambe droite, toujours un espace d'une main entre votre pied gauche et votre cuisse droite. Levez le bras gauche, enlacez votre genou gauche par devant, venez attraper votre main gauche. Inspire, j'allonge, expire, je ramène mon front vers mon genou droit. J'essaie de twister mon épaule droite en avant. Un peu plus d'épaule gauche en arrière en même temps. 3, 2, 1. Inspire, allongez, décroisez les bras. Croisez les chevilles, sautez en arrière, chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Regardez à l'avant de votre tapis. Sautez, marchez, venez vous asseoir. Gardez la jambe gauche tendue. Pliez le genou droit ici. La main droite à l'arrière de votre dos. Le coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Et on va venir twister ici pour amener l'épaule droite en arrière. Et on tient pour 4. Pensez à la respiration. Plus vous respirez, plus ce sera facile. 2.
On relâche, regarde à l'avant. Croisez les chevilles. Sautez en arrière, chatouillez en bas. Inspire. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Et on revient à l'avant de son tapis pour l'autre côté. Cette fois-ci, allongez la jambe droite. Pliez le genou gauche. Main gauche à l'arrière du dos. Le coude droit devant le genou gauche. Inspire, j'allonge. À l'expire, je twist en arrière. 5. 4. 3. 2. 1. Relâchez. Croisez les chevilles. Mettez la main de votre tapis. Château en haut. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Regarde à l'avant de votre tapis, pliez les genoux, sautez. On vient tout de suite s'asseoir dans un bateau Navasana. Vous pouvez garder les mollets parallèles au sol. Et essayez bien d'un dos bien droit, tendez les bras, on va le faire 5 fois. Et oui, on a changé assez 5 fois. 3, 2, 1. Si c'est possible, croisez les chevilles. Et peut-être qu'on peut se lever quelques instants. On recommence. 5. Si vous voulez faire la posture complète, tendez les jambes. 4, 3, 2, 1, croisez les chevilles, hop, c'est reparti, troisième, 5, 4, 3, 2, 1, on essaie de se soulever encore, troisième, 5, 4, 3, 2, 1, on croise les chevilles, on se soulève. Jambes parallèles, on tient encore pour 5. 4, gainez les abdos, dos bien droit ici. 2, 1, je croise les chevilles. Et la dernière, c'est parti, courage, vous tournez les jambes. 4, 3, 2, 1, croisez les chevilles et tout de suite venez à l'arrière de votre tête. Château en bien. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Regardez à l'avant de votre tapis et sautez ici. Venez vous asseoir à l'avant de votre tapis. Si vous avez le lotus complet ici, posez votre pied gauche en haut de votre cuisse droite, votre pied droit en haut de votre cuisse gauche. Sinon, vous pouvez vous mettre dans une position de tailleur tout à fait simple. Ici, on va faire une posture un peu plus facile que la posture qui est prévu dans la série d'Ashtanga, ou en tailleur, ou en lotus ici, venez soulever vos genoux et enlacer vos genoux. On va tenir pour 5, 4, 3, 2, 1. Reposez les genoux au sol, les mains sur votre tapis ici, et on va venir se soulever si c'est possible. On essaie de tenir pour 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez, ramenez les deux mains à l'avant de votre tapis, planche, chatouillez en bas, inspirez, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas, et on vient sauter à l'avant de son tapis, ici, allongez-vous à l'arrière de votre tapis, on va venir soulever les jambes, comme pour une chandelle, et venez laisser tomber les orteils à l'arrière. Ici, venez crocheter vos gros orteils avec l'index et le majeur. Et venez écarter les jambes ici le plus loin possible. Montons la poitrine. Et tout de suite, on va venir rouler à l'avant pour essayer peut-être de trouver un petit équilibre ici en écartant les jambes. Le dos bien droit ici, on tient 5. 4, 3, 2, posez les talons à l'avant, on garde la posture ici, restez comme ça, sinon posez les mains à l'avant de votre tapis si ce n'est pas possible, inspire ici, j'allonge, à l'expire, je plonge en avant, peut-être que vous pouvez poser le menton sur votre tapis, si ce n'est pas possible ici, gardez un dos bien droit, Upanishad Konasana, on tient 4, 3, et 2, tout doucement, on relâche, croisez les chevilles, les mains à l'avant, sautez en arrière, château en bas, inspirez,
chien tête en haut. Expirez, retournez les orteils, chien tête en bas. Revenez à l'avant de votre tapis et je saute à l'écran. Allongez-vous ici, les bras à l'avant du corps. Pliez le genou droit, crochetez votre gros orteil. Et sur une inspire, venez tendre la jambe droite, la main gauche en haut de votre cuisse gauche. Et on va essayer de rapprocher le nez de son genou ici. 3, 2, 1. Replacez la nuque à plat au sol. Laissez tomber le pied droit sur le côté droit. Je n'ai pas beaucoup de place. Si ce n'est pas possible, toujours aidez-vous avec votre sangle. Et vous pouvez regarder vers le côté gauche ici. 2, 1, à l'inspire, remontez le talon droit vers le ciel, je ne suis pas très bien placée, et puis relâchez le talon droit de l'autre côté, pliez le genou gauche, crochetez le gros orteil du pied gauche, main droite en haut de la cuisse droite, rapprochez votre nez de votre genou gauche, 3, 2, 1, replacez la nuque à plat au sol. Laissez tomber le pied gauche sur le côté gauche. Pareil, vous pouvez utiliser une sangle si ce n'est pas possible. Regarde vers l'épaule droite. 4, 3, 2, 1. À nouveau, soulevez votre pied gauche. Peut-être on peut ramener encore une fois le nez à son genou gauche. Et puis relâchez la jambe gauche. Pliez les chevilles. Revenez en virage, chaton. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Regardez à l'avant de votre tapis, sautez. Et venez vous allonger à nouveau sur votre tapis. Levez les pieds, redescendez les orteils à l'arrière. Cette fois-ci, les chevilles restent collées. Crochetez les gros orteils. Tendez les jambes. Et on va venir rouler en avant. Les jambes vers le ciel, ici, trouvez votre équilibre. Et je tiens pour 5, 4, 3, 2, 1. Croisez les chevilles et sautez en arrière, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Regardez l'avant et sautez à l'avant de votre tapis. Allongez-vous à l'arrière. On va enchaîner avec 5 ponts, des demi-ponts ou alterner les deux. On va plier les genoux, les talons à l'arrière des fesses. Pour le demi-pont, vérifiez que vous pouvez toucher vos chevilles. À l'inspire, décrochez les fesses, le menton dans la poitrine. Et on reste ici 5. À l'inspire, les coudes s'ouvrent à l'extérieur. À l'expire, je présente les pieds. 3, 2, 1. Relâchez. N'hésitez pas à faire le pont complet si vous connaissez cette posture. On enchaîne avec le demi-pont, sinon, à inspire. Menton à la poitrine. 4, 3, 2, 1. Reposez les fesses sur le tapis. Encore 3 fois. Inspire. Menton à la poitrine. Repoussez le pubis vers le plafond. 3, 2, 1. Relâchez. Continuez avec le demi-pont. Si vous voulez essayer le pont complet, retournez-vous des doigts à l'arrière des épaules, posez le sommet de la tête et puis tout doucement décollez. Et on tient pour 4, 3, 2, 1. Tout doucement, je repose et j'enchaîne tout de suite avec le dernier. 5, 4, sinon vous restez en demi-pont. 3, 2, 1, tout doucement, reposez le sommet de la tête, reposez les fesses sur votre tapis, allongez les jambes, les coudes sur le tapis, repoussez le sol, on va venir se redresser pour une contre-posture Paschimottanasana, on peut glisser les mains sous les genoux ici, et venir relâcher le dos, le front entre vos genoux, on peut garder un dos bien rond ici, on veut soulager le bas du dos, restez quelques respirations. Vous pouvez étendre un peu plus les jambes si vous voulez. Et puis déroulez tout doucement. Salambhasa Mukhasana, la chandelle ici.
Venez, envoyez les talons vers le ciel, les mains en bas du dos, les coudes bien à l'arrière. Tendez les jambes, on va rester pour 10. 9. 8. Rentrez bien le ventre. 7. 6. 5. Pas de chandelle cassée si c'est possible. Gardez bien les pieds au-dessus des épaules. 2. 1. Et tout doucement, relâchez le pied droit à l'arrière. Et puis le pied gauche pour la position de la charrue. Les bras à l'avant de votre tapis. Vous pouvez retourner les orteils ou les pieds sur le tapis. Rentrez le ventre, montant dans la poitrine. Même si la gorge est comprimée ici, on continue de respirer. Et puis tout doucement, pliez les genoux. Relâchez les genoux contre vos oreilles. Venez vous boucher les oreilles. Vous pouvez même ici enlacer vos genoux par derrière. Et respirez encore. 4. 3. 2. 1. Les mains en bas du dos ici. Venez retenir le bas du dos. On va essayer de repasser par une chandelle. Ici, croisez les jambes antérieures. Si vous avez la position du lotus, vous pouvez placer les talons sur vos cuisses ici. Et on va essayer de trouver ce petit balancier pour pouvoir repousser les genoux vers le ciel, le menton dans la poitrine ici. On essaie d'avoir les genoux parallèles au sol, je ne sais pas si c'est le cas pour moi, mais en tout cas, on essaie. On tient pour 5. 4, 3, 2, 1, laissez tomber les genoux dans votre poitrine, enlacez vos genoux quelques instants, et puis tout doucement, venez dérouler, on essaie de garder la posture ici, et on va faire un petit truc rigolo ici, venez enlacer vos genoux, et on va venir rouler plusieurs fois sur son tapis, faire des tours sur son tapis. Donc peut-être que vous êtes en tailleur, peut-être que vous avez gardé la position du lotus. On va faire plusieurs tours pour revenir à l'avant de son tapis. Normalement, on doit faire 9 tours ici. Et on continue de rouler. On roule, on roule, on roule, on roule. Jusqu'à revenir à l'avant de son tapis ici. À l'avant de votre tapis. Les mains sur le tapis, on va essayer de venir à nouveau soulever les genoux. 5, 4, 3, 2, reposez ici, allongez les jambes. Pressez les coudes sur votre tapis, soulevez la poitrine, posez le sommet de la tête à l'arrière. Tendez les bras, paume des mains se touchent, soulevez les jambes, les talons se touchent. On essaye de tenir 5, 4, on est arché l'arrière de votre dos, 2, 1, relâchez la posture, soulevez-vous ici, croisez les jambes, château anglais, et je relâche, inspirez, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas, ici posez les genoux au sol. Je vous propose d'essayer Sirsasana pour ceux qui connaissent. Si vous ne pouvez pas faire cette posture, n'essayez pas seul chez vous sans personne. Vous pouvez vous mettre en position de lotus en tailleur. Pour Sirsasana, attrapez vos coudes. Posez les avant-bras devant vos genoux. Ouvrez les avant-bras à l'avant, venez enlacer vos doigts. Posez le sommet de la tête entre vos mains. Décollez les orteils, soulevez les genoux ici. On est comme dans une espèce de chien tête en bas. Et on va faire des tout petits pas. Pliez les genoux et tout doucement, montez les jambes vers le ciel. Je rappelle qu'on reste en position du lotus ou en tailleur si on n'a pas la posture sur la tête. Ici, gardez la posture le plus longtemps possible. Je vais redescendre pour continuer à vous parler. Lorsque vous allez finir Sirsasana, venez en position de l'enfant, Malasana. Je vous laisse quelques instants pour continuer cette posture. Pour ceux qui sont en tailleur, restez à l'avant de votre tapis. On peut essayer de se mettre en lotus si c'est possible.
votre index avec votre pouce ici. Padmasana, petite posture de méditation. Si vous étiez en Sirsasana, je vous laisse revenir dans cette posture avec nous. Et on va prendre quelques instants ici en fermant les yeux. Essayez de garder un dos bien droit. On peut relâcher le menton dans la poitrine. Quelques instants ici. Tout doucement, ouvrez les yeux. Posez les mains sur votre tapis. Essayez peut-être de décoller pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reposez, décroisez les chevilles, les mains à l'avant, les jambes en arrière, chaturanga. Inspire. Uddhanga. Expirez. Adhanga. Regardez à l'avant de votre tapis. Marchez, sautez et venez vous asseoir pour vous allonger en Savasana. Les chevilles se touchent, relâchez les orteils vers l'extérieur. Les bras le long du corps. Vous pouvez retrouver une respiration normale. Venez relâcher vos chevilles, vos genoux, relâchez vos hanches et votre poitrine, relâchez vos épaules, gardez les paumes vers le ciel et les yeux fermés. Posture du cadavre, plus rien à faire ici en Savasana. Je vous laisse profiter de cette posture encore quelques instants. Gardez bien les yeux fermés. En Savasana aussi longtemps que vous voulez. Si vous voulez vous réveiller, commencez à bouger tranquillement vos orteils, vos poignets. Peut-être rouler la tête de droite et gauche. Puis venez vous étirer, étirez vos jambes vers l'avant, vos bras à l'arrière. Et venez rouler sur le côté droit, en position du fœtus. L'oreille droite collée sur votre tapis, vous avez toujours les yeux fermés. Tout doucement, repoussez le sol avec votre main gauche et revenez dans une position de taille à l'avant de votre tapis. Gardez les yeux fermés, les mains sur les genoux. Vous venez de faire une initiation à l'ashtanga. Donc pour les habitués de l'ashtanga, j'espère que vous me pardonnerez toutes les postures que j'ai sautées. Et les petites différences de la série classique, mais je voulais une série qui puisse s'adapter à tout le monde en pratiquant chez vous. Vous avez vu ces dynamiques, vous avez peut-être un petit peu transpiré. C'est le but de l'ashtanga. Cette série qui était à la base faite pour préparer les militaires à la guerre en Inde. Amenez les mains sur le cœur en Anjali Mudra, on tourne la poitrine. Et puis tout doucement, ouvrez les yeux. Namasté. J'espère que cette séance vous a plu et je vous dis à très bientôt.